Bonjour, ça fait longtemps. Bah oui, tu me parlais, j'ai eu le Covid et puis en plus je me suis cassé tous les doigts, enfin tous les doigts, non, trois doigts. Et puis je peux plus faire ça parce que le médecin en charge s'est trompé, croyait que c'était simplement une orthose, mais c'était cinq cassures, enfin quatre cassures, j'exagère, hein. Non, quatre cassures et un morceau d'os qui est en moins. Enfin, c'est pas grave, on verra après. Bon, oh, j'étais à Axiom, je pense à. Donc, j'étais à Axiom et à Nose. Alors, à Nose, j'ai trouvé ceci. Une cloche à 1,20 €. Parce que moi, la mienne, elle est vieille. Hein. À 26 cm, il y en a des plus petites. Hein. Vous voyez, à 1,20 €. Ouais, elle est sympa. Alors, ne pas utiliser le grill. Bah, ça, c'est normal. 1,20 € pour, c'est pas mal, hein. Donc la note elle est vieille. Ah ben ça c'est mon chien qui pleure. Alors, là, après du thé, jour, c'est aide à la digestion et la nuit pour brûle de graisse. Au thé vert, menthe, verveine. Elle est pas mal, 14 jours, 1,80 €. C'est pas mal comme... Je vais essayer parce que j'en ai entendu parler. Puis AB, c'est bien. Hein. 28 infusions. Vous allez voir pourquoi après. Après, j'ai du fil dentaire. Alors, bon là, c'est 99 centimes. Parce que moi, j'aime bien passer. Parce que j'ai des dents tellement serrées qu'il faut que je passe le fil dentaire. De toute façon, pour tout, hein, que je passe le fil dentaire. Hein. Diadent, c'est marqué. Vous voyez? C'est pas mal. Ensuite, j'ai vu ça, mais j'aurais dû en prendre plusieurs bouteilles. 1,69 €, c'est du Grenini. 30% de sucre en moins grâce à l'eau de coco. Ah, je n'avais pas vu 100% jus. Orange, ananas, pêche. Oh, j'aurais dû en prendre plusieurs, dis donc. Pour 1,69 €, c'est pas cher. En plus, il y en a combien? Oh, il y a bien 1 litre. Hein. Alors là, à la pêche, 1 litre. Ouais, 1 litre. 1,69 €. Et là, c'est Gramini. Granini, granini, pas gramimi. Et là, c'est pour mon mari, j'ai pensé à ça. C'est Alfredo. C'est de la sauce pour la pasta sauce avec du champignon, là, qui coûte cher. C'est quoi déjà? Ah, sauce blanche, Alfredo, pour pâte aux truffes. Truffes. C'est pour mon mari, il adore ça. Moi aussi, j'adore ça, je dis des bêtises. C'est 1,99 €. Qu'est-ce qu'ils disent dessus? Parce que alors, des fois, c'est tellement petit que bon, bonjour, allez, dévore. Hein. Il y a de la crème, de lait, du beurre, de l'amidon, de maïs modifié, de la truffe noire. Ingrédients, il y en a combien? 410 grammes. Oui, c'est italien. Salcla, italien. J'ai pas acheté grand-chose. Alors, ça, dis donc. Et, oh, au fait, j'ai trouvé du maquillage. Comment ça s'appelle, ça, donc? Ça coûte très cher. La marque, elle s'arrête. Oh, je ne me rappelle plus. Oh, il y en avait plein, nous. Enfin, plein. C'est non, faut pas exagérer. Il en restait plusieurs bacs à côté des caisses à mon nose. Comment ça s'appelle, un grand qui va s'arrêter? Ben, je ne me rappelle plus. Tant pis. Face off, c'est un démaquillant en douceur, c'est du lait démaquillant. C'est vrai, j'ai pas payé cher. 1,99 € parce que j'en ai pratiquement plus. Et c'est marqué émulsion démaquillante douceur. Moi, généralement, je me démaquille soit sous la douche, ben là, je vais prendre ma douche. C'est marqué retiré avec un coton et rincé à l'eau. Moi, j'ai des petites lingettes, j'ai acheté Action. Des petites lingettes vertes là, c'est pas mal. Hein. Ensuite, j'ai acheté ceci, c'est pour la levure de bière parce que mes ongles sont tous cassés, mais alors tous. J'ai pris ça aussi, du fond de veau. Ma fille, elle n'aime pas ça. En fait, j'ai pas dit une prise ça. C'est la levure de bière bio, et je vais trop vite. Français, fabriqué en français, 3,99 €. C'est connu ça? Ouais. Du fond de veau, alors je disais, il y a quatre petites tablettes. C'est goût authentique sans conservateur. 55 centimes, c'est pareil, j'aurais dû en acheter plusieurs, tu vois. C'est pour 1 litre.
Alors, une tablette, attendez, volume 4 fois, ça fait 1 litre. Ah, tu vois, tu peux. Alors, ça fait 4 fois 28 grammes. Il y a 112 grammes dedans. Mais c'est du Knorr. Hein. Des bouquins, hein, madame, monsieur, madame. Ah, ça, ben, je vous en ai parlé. Leveur de bière pour les cheveux, pour les ongles, c'est très bien. Ensuite, ben alors là. Ah, comment ça? Je cherche encore le nom du maquillage. GT Action. Alors, Action, waouh. J'étais avec mon mari, alors là, lui, quand il est avec moi, c'est pire. Et quand je suis tout seul. Ah bon, rien de foulichon, j'ai acheté ça parce que. Il en fallait. Papier toilette, 24 rouleaux. Papier toilette, c'est pas du pays cher non plus. C'est dans les 2 euros quelques. 2 euros 3 euros 50. Ah, et il fait mi-mars au lit. Par contre, j'ai acheté ça. Alors, ça, j'adore. C'est des bouteilles en verre. Ah, j'espère. Dis donc, j'ai pas regardé s'il y a. Ah, j'en cherche toujours parce qu'en plastique, vous voyez, ben, mal, elle fonctionne pratiquement plus parce que. Non, ben, je pourrais pas l'enlever. C'est alors cette bouteille en verre, en plus, c'est normal que je ne peux pas l'enlever parce qu'il y a ça. Voilà, pour la transporter. Pour les nettoyer, je trouve que c'est plus pratique. Puis ma petite fille m'en a cassé une, mais bon, c'est pas de sa faute, hein, elle a 2 ans. Et voilà. Et puis on ouvre. Puis pour nettoyer, vous voyez, il y a. Je pense que ça, c'est l'eau. Hein. C'est un joint, ça se met ici. Je mets beaucoup parce que comme je me suis fait opérer, vous savez que je me suis fait opérer et je bois beaucoup d'hydrate, faut que je m'hydrate beaucoup. Alors j'en ai pris une crème et puis une noix. C'est quoi qui fait? Mais c'était pas cher, c'était à tout. On garde jamais une étiquette caisse 720 ml. Moi je mets de l'eau avec du sirop sans sucre. Ma diététicienne m'a dit sirop sans sucre parce que moi de l'eau j'en peux plus. Il y a quand je me suis fait opérer, là, vous savez que je me suis fait opérer pour la sleeve, il y a certains produits que je ne peux plus avaler parce que ça me donne la nausée. Et c'est de la bonne qualité apparemment. Hein. C'est marqué 8 qualité, 720 ml. Ouais, c'est pas mal. Jusqu'à... Ah, sans Celsius, on ne peut peut-être pas aller là-bas, jusqu'à là-bas. Et puis, vous voyez, y a, ça, c'est peut-être pour accrocher, je ne sais pas. Ouais, mais je verrai bien pour me promener. Tiens, quand on promène les chiens, quand il fera chaud. Ah non, bon, bah ça, rien de folichon. Vous connaissez. Voilà. Mais ça sent bon, j'adore. Je trouve que ça sent meilleur que ce qu'on voit. Et puis ça, mais c'est incroyable. Alors, vous voyez, il fonctionne. C'est pour la température. Attends, voir. C'est un thermos. C'est pour faire le thé. Je me vais même remettre au thé. Marie dit, tu bois pas de thé. Ben oui, forcément, j'ai rien pour faire du thé à la maison. Alors, il y a un petit. Alors, c'est un thermos. Hein, vous voyez. C'est en métal. Ben, comme un thermos, en fait. Et c'est marqué. Je vais vous marquer en français. Thermostat. Ouais, vous mettez le thé dans la petite coupelle là. Vous voyez, vous mettez l'eau chaude ou l'eau froide, hein, parce qu'il y a du thé qui se boit froid. Vous mettez dedans. Ouais, mais alors comment que ça fait? Ah non, 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 je dis des bêtises. Je ferai chauffer l'eau à part dans ma. De l'eau dans ma petite bouilloire. Je mets mon petit thé. Et voilà, vous voyez, ça se bloque. Vous servez de l'eau dedans. Ah oui, que je suis bête, c'est marqué l'eau d'hier. Pas pousser le bouchon, hein. Jusqu'à 50 degrés Celsius, 31-50 degrés Celsius, et on peut prendre jusqu'à moins, jusqu'à 30, moins 30, c'est beaucoup ça, moins 30, n'importe quoi. Bouteille isotherme, 400 ml, matériaux acier inoxydable, plastique silicone, c'est ce qu'il y a autour, écran LED, ouais, parce qu'apparemment, il vous dit les degrés. Là, il fait 21. Voilà. Ah, il fait bon chez moi, en fait. Et puis, voilà, il s'éteint pour un moment. Et puis, quand vous voulez savoir vraiment la température, vous voyez? Hop. Oui, vraiment, vous appuyez. Mais là, il faut trouver le truc, non? Ah non, vous appuyez au milieu, puis ça s'affiche.
Ça, c'est pas mal, c'est une bonne trouvaille. Hein. J'ai bien fait de l'acheter. C'est super, je suis contente. J'en ai trois, même quatre parce que j'en ai une là-bas. Ensuite, j'ai acheté ça parce que j'ai un petit chiot qui a été abandonné. J'étais le chercher parce que j'ai fait 1700 km pour chercher un petit chiot. Il mourait de faim. Il y a une dame, elle l'avait récupéré, mais elle ne pouvait pas le garder parce que ben, c'était trop petit chez elle. Puis elle travaillait. Moi, je ne travaille plus maintenant, malheureusement. Et donc, voilà. Et puis des sacs. Alors, ça, c'est bien parce que c'est des sacs, je l'ai vu. Après, ils sont biodégradables. 100% biodégradables. Il y en a 8. La couleur, ça doit faire un peu. Mais vous avez vu les prix des sacs à caca à crotte dans les autres magasins? Ça va bien, hein? Ils exagèrent. On est 3 balles. Là, j'ai dû payer 1,50€, même pas. Après, j'ai pris encore du thé. Alors, ça, c'est Harmony Classic Chai. Il y en a 7, c'est du bio aussi. Je me suis mettre au thé. Avant, j'aimais bien le thé, mais maintenant, bon, ça dépend ce qu'il y a. Là, dedans, il y a de la cannelle, apparemment. J'aime beaucoup la cannelle, en fait. Qu'est-ce qu'il marque? Est-ce qu'il marque en français? Voilà, de la cannelle, 50%, du gingembre, 15%, du clou de girofle, du poivre noir, du cardamone, fenouil, extrait de cannelle, pétales de rose rouge, ensuite du curcuma, feuilles de framboise, biologique. C'est pas mal ça. Je sais pas, payé cher. Hein. En tout cas, on sent à travers, ça sent super bon. Ensuite, ah, j'ai trouvé ça pour ma petite fille. Parce que quand elle vient à la maison, je garde ma petite fille. Parce que ma fille travaille maintenant. Alors, je garde ma petite fille, mais elle met tous ses crayons par terre. Mais quand on va voir que c'est Mickey, Minnie, Dingo, plutôt Daisy et puis Donald, je crois qu'elle va savoir les ranger. Et en plus, c'est Mickey. Hein. Dis donc, action, réaction. Hein. Encore un, pour sentir bon les toilettes. Hein, parce que moi, franchement, ça ne fait pas grand-chose. Ça, c'est pour nettoyer ma plaque. Ma plaque sur ma cuisine encastrée. C'est une petite éponge toute simple, siloïde. Ouais, bah, c'est pas du tout ça cher. On peut faire même le tour des fenêtres, mais moi, le tour des fenêtres, je fais tout. Alors, moi, je me lave mes fenêtres, mais au vinaigre blanc, pur. Moi, il n'y a pas de trace. Alors là, je vais vous dire. Bah, après, c'est Colgate. C'est pour la. Après le lavage. J'ai acheté ceci parce qu'on me pique tous mes crayons Bic. Ah, mes crayons Bic ou mes crayons autrement. Chaque fois, j'en ai plus. Je n'ai pas envie de vous les manger. Ensuite, j'ai pris ça. Enfin, ça, c'est pour mon mari, ça, pour la mettre dans la voiture. Vous savez, quand, en ce moment, il gèle. Et je me suis dit, tiens, peut-être que ça, ça tirait microfibre, éponge, ou pour laver, parce que dedans, c'est une éponge en microfibre. Bon, j'ai pas payé ça cher non plus. Bah, j'en ai pour 50€. Hein. Ensuite, mayonnaise. Il y a mon quai. 750 grammes. Ah, 800 millilitres. Dis donc, ouais. Bon, tant pis. Hein. Et en plus, je sais la faire toute seule. Je sais la faire toute seule, la mayonnaise. Hein. Je n'en ai pas pour longtemps. Mais bon, je suis une feignante en ce moment. Parce qu'avec ma main, je ne peux plus. Une peau de chamois. Et bien, c'est ça. Après, je lui dis, tiens, regarde, on prend de la peau de chamois pour mettre dans ta voiture pour nettoyer. Quand à l'intérieur, vous savez, on enlève la givre, enfin, la glace, là, sur l'intérieur. Et c'est vrai qu'à l'extérieur, pardon, la glace, on fait le tour. Et le temps de dégivrer, il y a toujours de la buée, tout ça. Ben, ça, c'est de la peau de chamois, c'est bien hein, pour nettoyer. Ça ne vaut pas, je m'en fiche, je prendrai. Un petit sapin pour mettre dans la voiture. Ceci, ah ouais, j'ai trouvé ça en argent, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Parce que je me remets des bijoux. C'est du 925 millième. C'est en argent. Il y avait encore les Swarovski, mais je ne sais pas si c'est de l'argent, je ne sais pas. Mais là, c'est marqué boucle d'oreille en argent, 925 millième. Sterling. Sterling. Ensuite, mon mari va décoller les plaques qu'on a mis là sur la cuisine encastrée, puis il va enlever la colle, donc il a acheté ceci, libellateur autocollant.
je sais pas, ça doit être dangereux cette histoire. Comment que ça se marche? Ça, c'est pareil. Alors là, ils ne peuvent pas trouver plus petit. Alors là, je sais pas. Oh, bah, vous savez ce que j'ai fait, moi? J'ai fait un... Ah, attendez, ça se décolle. Un traducteur sur mon téléphone, je me suis pas embêtée. Ouais. Notice d'utilisation, attention, avant toute utilisation et en cas de doute, tester le produit sur une partie discrète de la surface pour vérifier que cette dernière résiste à ce produit. Bon, enfin, on verra bien, on lira bien tout et puis on verra bien. C'est du 3G. J'ai déjà vu quelque part cette 3G. Il y en a combien? 300 millilitres. Mmh. Encore, encore. Ah, ça, je veux bien, moi. Je l'ai vu, tiens, beauté privée. Ah, je suis très bien. Puis après, je dis, oh, je trouverai bien voir. Alors, hey, moi, je fais, j'ai envie de faire, c'est laver les cheveux. Puis en même temps, on va faire un massage avec ça. Vous voyez, c'est des picots en silicone. Vous prenez comme ça, puis c'est des tas d'ailleurs. Ah, la vache, elle grève. Ah ouais, ça me fait un silicone. Ça, c'est pareil, c'est pas dû payer ça cher. C'est marqué quoi? Tout ça, moi, j'achète, mais je regarde pas, en fait. Je me dis, tiens, je vais faire ça avec ça. Eh ben, je ne vois pas. Brosse de massage pour cuir chevelu. Ah ben voilà. Masser avec des mouvements circulaires pour éliminer les pellicules mortes. Ben, j'en ai pas. De la peau et stimuler le cuir chevelu idéal pour... faire pénétrer le shampoing ou pour éliminer les résidus. Nettoie et exfolie le cuir chevelu. Ben voilà. Tiens, c'est ceci. Alors, regardez. Voilà. Et j'ai pratiquement plus de place, hein, les gars. Ah, gilette, ça, c'est pour mon mari. C'est mousse à raser. Bon, ça, c'est vieux comme les autres, hein, gilette. Je ne sais pas si c'est pas... Ah oui, c'est de la mousse... Parce que des fois, il prend du gel, puis quand il met dans sa main, ça fait de la mousse, ça doit être ça. Ouais, il y en a combien? 300 millilitres. Mais ils font de plus en plus de marques, hein. Faut faire attention, parce que des fois, vous avez l'impression de payer pas de cher, mais bon. Ça, je vais faire un soupe, enfin, c'est un soupe en ardoise. Hein. J'en ai plus, je me demande ce qu'ils ont fait. Parce qu'on a déménagé, on a changé les meubles. 20 cm sur 20 cm. C'est sympa, sur le milieu de la table. Puis après, ben, on a pris... une boîte, parce que j'ai mon mari, il a la tendance, ah mais alors attendez, mais c'est qu'il range, ah il range tellement bien qu'il ne retrouve plus rien, alors là, je peux lui demander quoi que ce soit, jamais il me dira, ah donc c'est, tu l'as payé combien ta boîte au cœur? C'est une 60 litres? Ouais, 60 litres, c'est italien tiens, bon, enfin, combien? 7,90€. 7,90€? Oh la vache, tu vas pas payer cher. Ah, il n'y a pas de roulette. Bon, ben, c'est pas grave, t'en as pas besoin de roulette. Et puis au-dessus, c'est comme ceci. C'est sympa, non? Pour mettre tout ça en fait. Non, mais moi, c'est ça qui me plaît. Et ça, pour faire du thé. Tiens, je vais faire là. Je vais le nettoyer. Et par contre, pas la vaisselle, hein. L'huile de coude. Hein? Et dites donc, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardaient mes vidéos, mais ça ne s'abonne pas. Bolo. On est que 200. C'est pas beaucoup 200, hein, quand même. Vous exagérez. Hein. Après, ben, si... on verra bien qu'est-ce qu'on va faire ensuite. Peut-être une recette. Peut-être une recette. Si vous me demandez une recette, peut-être. Ou on verra. Tiens, qu'est-ce qui est marqué, là, sur la boîte? 100% recyclé. Ah, génial! Moi, je prends de... C'est pas mal, ça. Ils font de plus en plus de recyclage. Bon, ben, en tout cas, je vais vous laisser parce que là, je vous embête un peu trop. Allez, des gros bisous. Ah, comment que ça s'appelle, le maquillage qu'il y avait? Ah zut, bah, il y a eu des bruits qui couraient qu'il y a un grossiste qui avait acheté tous dans les noses. Mais c'était quoi comme maquillage? Bon, bah, à nos noyons, en caisse, on va appeler back. Bah, il y en a, du rouge à lait, de crayon. Le problème, c'est que bah, on ne peut pas les ouvrir, donc on ne peut pas voir la couleur. Vous avez quel numéro dessus, quoi. Mais c'est pas grave, hein, parce que c'est Marc Jacob. Oui, Marc Jacob. Mmh. Allez, de gros bisous. Et puis, abonnez-vous, puis regardez un bon sang de bois. Brrr. Allez, je vous laisse, des gros bisous.
Je fais attention à ma main parce que vieille, toute déformée. Bon, allez. Au revoir. Et à bientôt.